Depuis que je suis toute petite, je vais dans les vignes. Mon père m'emmenait avec lui faire du tracteur. Mes parents sont viticulteurs et je pense que ça a influencé sur mon choix professionnel. Je me suis dirigée vers un bac pro en alternance, en vigne et vin. J'ai continué sur un BTS en alternance, en apprentissage. Pour moi, l'apprentissage, c'est expérience et maturité et savoir-faire. Dans l'entreprise, je me sens un petit peu actrice. J'ai apporté des choses à Laurent, à mon maître d'apprentissage. Et je trouve qu'être apprenti, ça donne un coup de jeunesse à l'entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour Jacques. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Quand j'étais en stage, j'étais un peu passive. Et aujourd'hui, je suis active. Il me demande de réaliser certaines tâches qu'il ne me demandait pas avant et il me fait confiance surtout. C'est vrai que tu as pris des responsabilités aussi au niveau de la vinification. J'ai constaté une évolution importante. Tu as des réflexes que tu as acquis grâce à l'apprentissage que tu n'aurais pas acquis si tu entrais directement dans la vie professionnelle. Ça va dans le bon sens. Petit à petit, tu as pris de l'assurance. Tu donnes ton avis que tu ne donnais pas forcément au départ. Tu as su évoluer et faire évoluer l'entreprise aussi. En plus, tu es pédagogue, donc du coup, c'est plus facile. En entreprise, c'est la réalité du terrain. Alors qu'en cours, c'est la théorie. Salut les boys. Je commence à avoir de plus en plus de responsabilités. C'est vachement intéressant. Les profs, ils sont assez professionnels aussi. C'est des formateurs. Et ils nous accompagnent vraiment dans la formation. Souvent, j'ai remarqué les cours, ça correspond assez bien avec la période. Ouais, c'est les vinifs, tu vois, en viti, là, tout cet été, c'était les traitements. Et là, les maladies, on les voit maintenant. Enfin, du coup, on est traitement, on peut en parler. Donc, ça coûte ça. Ceux qui font pas de formation en alternance, c'est plus de vacances et tout. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils ont pas de salaire. Ils ont pas de salaire et ils ont pas l'expérience. Même en maturité sur l'entreprise, je trouve qu'on gagne trop. Ouais. Au niveau professionnel. Après, on est un peu professionnel. Et... Ouais. On a l'expérience. Et je sais qu'en sortant d'ici, j'aurai plus de chances d'avoir un travail qu'une de mes amies qui fait que du cours complet et qui a jamais travaillé vraiment. Depuis que je sais ce que je veux faire, j'ai mon objectif et donc tout s'enchaîne tranquillement.